Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres que j'ai eus récemment et je les trouve vraiment très très beaux. Donc, on va commencer par le premier. Donc, le premier, c'est un collage mystère de chez Hachette et Rose. Donc, c'est le Famille. Il a été illustré par Alexandre Karam et il est sorti au mois de février. Donc, il est très récent. Les illustrations sont top. Déjà, la couverture est trop trop belle avec. Avec Lilo et sa sœur, et puis là il y a Stitch, c'est vraiment trop trop belle la couverture déjà. Donc je vais faire voir les solutions, mais avant je voulais vous dire, c'est un livre qui est quand même pas mal détaillé. Vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Donc par contre, les traits sont foncés, mais pas trop foncés. Vous voyez, c'est vraiment. On voit très très bien les numéros, il n'y a pas de problème d'impression. Mais voilà, il y a des colos, franchement, ils sont super détaillés. Regardez celui-là, toutes les couleurs qu'il faut. Donc après, il est moins détaillé que le Love Story, hein, ça c'est sûr et certain. Moi, je dirais qu'il est détaillé, je dirais à peu près comme le tome 10. Mais ouais, il y a des illustrations qui demandent quand même pas mal de couleurs. Donc, je préfère prévenir. Donc, voilà pour la première page. Ah, les illustrations, elles sont vraiment trop trop belles. J'ai entouré parce que je voulais faire d'abord celle-là. J'adore celle-là de Coco, elle est vraiment trop trop belle. Donc, vous voyez, celle-là, à mon avis, voilà, elle n'est pas trop détaillée. Et il y a pas mal d'illustrations inédites. Franchement, il y a des nouveaux personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Elle est trop mignonne, celle-là, j'aime beaucoup. Trop mignon. Vous voyez, celle-là va être très détaillée. Là, il y a Avalonia. Vous voyez, c'est nouveau Disney. Elle est trop mignonne celle-là. C'est pas souvent qu'on voit la maman d'Anna et de Elsa. Elle est vraiment belle celle-là aussi, j'aime bien. Par contre, elle va être très détaillée aussi. Là, pareil, hein, une image inédite. On n'a pas souvent l'occasion de voir la maman de la Belle au bois dormant. Celle-là, elle est vraiment très très belle aussi. Donc voilà pour les solutions du Famille. Et maintenant, je voulais vous faire voir celui-là. Donc moi, pour moi, c'était vraiment un vrai coup de cœur, ce livre-là. Je le trouve vraiment trop trop beau. Et en plus, bon, il y a 40 coloriages. Il y en a moins que dans les coloriages Hachette Rose. Mais voilà, il n'est pas recto verso. Vous voyez, derrière, il n'y a pas de coloriage. Donc ça fait que vous pouvez prendre ce que vous voulez en matériel. Il n'y a pas de souci. Donc les feuilles sont assez épaisses en plus. Et vous voyez, il n'y a pas de coloriage derrière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et il n'y a pas tellement de couleurs. Vous voyez, il est assez simple. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs. Regardez, il ne manque pas beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est super. Franchement, ils sont toutes comme ça. Donc il est super simple. Les zones blanches sont pas pareil comme les collages Hachette Rose. Il n'y a pas de trait dans les zones blanches. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire voir les solutions. J'aime bien cette collection de livres. Vous voyez, c'est au fil des saisons, donc c'est vraiment beau. Par contre, j'ai remarqué, c'est pour celui-là, il y a un petit défaut. J'ai remarqué sur cette page-là. Vous voyez, là, il y a des traits blancs autour des feuilles. Je ne sais pas si vous allez voir. Et quand vous prenez la solution, j'ai regardé, eh ben, les traits blancs sont pas mis. Je ne sais pas si ça va se voir en vidéo. Vous voyez, là. Normalement, il est censé avoir des traits blancs autour des feuilles. Et là, c'est pas mis. Il y a juste ça. Mais sinon, franchement, il est super beau. Regardez celle-là. De toute façon, j'adore toutes les illustrations dans ce livre-là. Il est vraiment trop, trop mignon. Ce petit chat-là, trop chou. Et j'en avais un autre comme ça. Et j'avoue que je l'ai donné parce que les couleurs étaient trop difficiles à trouver. Il était magnifique. Moi, j'avais Merveilleux Voyage. Et franchement, j'ai donné parce que je n'arrivais pas à trouver les couleurs. Que là, eh ben, j'ai regardé parce que je ne voulais pas faire la même erreur. Et les couleurs sont très faciles à trouver. Franchement, il n'y a pas de problème. Ah, il est vraiment trop, trop beau. Donc ça, pour moi, c'était ce livre-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà pour ma présentation des deux livres. Donc ça, c'est pareil, ce livre-là, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas trouvé. Il est sorti cette année aussi, ce livre-là. Donc il a été illustré par pas mal de personnes. Hein. Vous voyez, 2024.
Il est sorti cette année. Janvier 2024. Donc celui-là est sorti au mois de janvier, celui-là au mois de février. Franchement, celui-là, c'est vraiment un réel coup de cœur. J'aime beaucoup. Des coloriages qui traversent les saisons, je trouve ça trop beau. Donc voilà pour ma présentation de ces deux livres. Donc dites-moi en commentaire si vous les avez ou si vous avez envie de vous les procurer. Si, qu'est-ce que vous avez pensé de ma présentation? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes petites aventures. Mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur la largeur de ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!